Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode continuer notre aventure sur le jeu, bien évidemment. Et ceci en explorant très probablement... Voilà, il y a une racine par là-bas, on va aller voir ça. A priori, s'il y a un sanctuaire, il y a une racine. Y aurait-il pas du somnium là? Si, tout à fait. Le somnium, on aime ça. Et boum! Le bouclier va bientôt se briser. Bah notre bouclier s'est brisé. Et ça vaut le coup pour du somnium. Et non, on peut pas... Ah, on peut pas faire ça. J'étais justement en train de dire qu'on pouvait pas, mais en fait si. Bon, là on voit quand même bien rien. Donc si on pouvait mettre... Juste ça, histoire de voir où on va. C'est pas mal. J'ai quand même bien l'impression qu'effectivement, il est en super hauteur. Et qui dit super hauteur dit super galère. Donc voyageons avec la fameuse moto. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Parce que j'ai vu sur les réseaux, mais là je suis pas sûr que ce soit la meilleure, le meilleur moment enfin, le meilleur endroit pour la créer. La moto verticale. Comme ça, quelque chose comme ça. On va essayer de se mettre bien. Celle-là, je l'avais essayé. Mais je crois pas que... Il me semble qu'elle est un peu particulière. Ouais, déjà, comme ça marche pas. Déjà, on n'est pas bien. Mais il me semble qu'il y a un angle à respecter. Et là, je crois pas l'avoir respecté. On peut essayer, hein, mais... Ah. Cela dit, c'est quand même pas mal. Est-ce que c'est plus contrôlable? Non, hein, clairement pas. On va laisser tomber ça. Ah, où es-tu? Elle est complètement disparue. Oh non! Non! Ah, ah. Ah bah elle est partie. Ah bah on s'en fout, lol. Ah ah. La merde. Si j'avais su. Il y a déjà de quoi faire ça là. Non, on va éviter la moto qui ne marche pas. Celle-là a fait ses preuves déjà. Elle est peut-être pas optimale. Mais elle a fait ses preuves. Décollage. Elle a fait ses preuves, vraiment. La maniabilité n'est pas spécialement incroyable. En fait, il faudrait que je la refasse mieux. Parce que là, elle tourne. Elle est un peu déséquilibrée. Donc, il faudrait que je la retravaille en extérieur. Pour la voir de manière plus intéressante. Je sais pas où on va là, mais on y va. Il y a beaucoup de... Vous voyez, là, on est en train de tourner. Et c'est pas voulu. Alors là, on arrive sur la montagne, je suppose. Ouais, mais c'est pas là qu'il est le truc. On va se bouffer un mur. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. Alors... La question qu'on se pose quand même... Ah, là, il n'y a pas de mur. Si. Ah, c'est par là-bas. J'en ai perdu ma moto volante. C'est vrai qu'il manque, du coup, à cette moto. Petite lumière. Alors, comme on n'a plus rien... Est-ce qu'on monte comme ça ou on y va avec du somnium? En vrai, je crois qu'on va se la somniumer. Hop, et je vais juste faire ça. Ça, on va y voir quelque chose. sur la destination. Évidemment. Ça reste pas très stable. Effectivement. On a connu mieux en termes de stabilité, mais je suis pile dessous là. Attendez, je suis pile dessous. Comment se fait-ce que je n'ai pas la racine là? Je suis pile dessous. J'ai loupé un truc. Mais je vais encore me bouffer le mur. Hein. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais de mal là? Ah oui, non, mais vas-y, pars plus loin. Vas-y, abandonne-moi complètement. Allez, zou. Alors, nous sommes de retour. Cela dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de se la faire mieux là? Là on est bien. Il faudrait être comme ça. C'est comme ça ou c'est dans l'autre sens? Ah. Je veux essayer de la refaire celle-là, mais... C'est comme ça, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle est bien celle-là? Pas mal quand même, non? Je sais pas trop. On part en arrière. Ah, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Parce que, ouais, elle est clairement à l'envers du coup. Fuck. Si on n'avance pas, je recule. Ouais, ok, c'est complètement con. Elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Dame. Non, elle est partie sans moi. Bon, bah, part sans moi. Je l'ai faite à l'envers, donc. C'est dommage parce que... Elle était cool, quoi. Elle était bien, mais du coup c'est dans l'autre sens. T'es pas mal foutu. Alors, on va la refaire. On va la refaire en mieux. Donc théoriquement, à l'envers ça veut dire que celui-ci doit être devant et celui-ci doit être position arrière. Voilà. Donc... Comme ça. C'est ça. Donc, toi, je te mets là. Devant, comme ça. Hop. Toi, je te mets là, comme ça. On est bien là. Elle a l'air un peu décalée. Bon, si on avance. Non, c'est pas si mal. Elle est plutôt réussie. Elle est pas très stable non plus. Mais là, on peut avancer tout droit. Enfin, on peut monter tout droit, plutôt. Ah mais c'est ça en fait, c'est clairement au-dessus. Et là on avance. Ok, ok. La racine est clairement au-dessus. Là j'étais bien plus profond que ce que je pensais être. Là on voit aucun contour. Là, j'ai l'impression que c'est mieux. N'est-ce pas? Ça m'a l'air mieux, là. Je peux y accéder à cet endroit. Ah, là. Ah, ben voilà, il est là. Ok. La racine est là. Hop. On ne saurait pas dire laquelle est mieux des deux. Celle-là est peut-être mieux. Hein. Ouais, si j'arrive à la faire stable... Là, elle est un petit peu pas très droite. Elle avance pas très droit. Mais si tu la fais bien stable, elle avance tout droit toute seule, quoi. Et on peut, on peut piquer, on peut tourner à gauche. Elle est mieux. Celle-ci est mieux. Officielle. Racine de S OXZ. C'est officiel. Celle-là est mieux. Mais l'autre, je la trouve plus stylée. Celle-là est plus maniable, mais je trouve l'autre plus stylée. Ah, il y a une autre racine là-bas. Et il y a effectivement un sanctuaire en dessous. Ah. Y a-t-il une... Non, il n'y a pas une croix là par là. Il n'y a pas de croix là. Les croix, elles sont par en dessous. Temple de l'esprit. Ah si, j'en ai une ici. Le problème, c'est que je ne peux pas y accéder autrement que par là, en fait. Ah, d'accord, je suis obligé de passer par là. Bah, ben, on va faire ça. On va monter, là, comme ça. Hop. Let's go. Donc, direction la racine que l'on voit en face. Ah, je vais me mettre en tenue de sonium, là. Parce que, a priori, on devrait consommer beaucoup moins. Où est-elle? Là. Hop. Effectivement. Ouais, mais là, on est vraiment très haut par rapport à en bas. Et en bas, c'est effectivement très profond, là. Les profondeurs sont, en fait, vachement vastes, hein. Je pensais pas qu'il y avait autant de dénivelé. Il y a quand même, ouais, il y a quand même une quantité de dénivelé assez folle. Alors là, on voit vraiment rien. Donc l'avantage, ok, c'est que là, il y a un arbre. Parce qu'on voit la racine. On voit l'autre racine derrière aussi. Mais on loupe très probablement certaines choses. Là, il y a quand même... Oh, il y a une autre racine. Ah, il y a quoi là? Une raffinerie, une mine, quelque chose? Intriguant, il y a énormément d'esprit là par contre. Là il y a un mob. Ça ne me plaît pas du tout. Il y a effectivement une raffinerie, une mine là. Il y a un clan Yiga, il y a un quelque chose. Aïe. Je sais pas où est passée ma moto, mais c'est pas grave. Haha. On est où ici? J'arrive pas à me repérer, on est sous le Cocorico peut-être? Et oui c'est ça, on est sous le Cocorico, absolument. Donc c'est logique qu'il y ait une mine. Sous Cocorico. Et... Nous avons officiellement perdu notre moto. Et donc notre moyen de locomotion. Notre indépendance, tout. Notre liberté. Ah. Non, Link. Notre Laxis. Flûte. Hop. Hop. Voilà. Je vais laisser escalader un peu quand même. Il y a effectivement une mine abandonnée de Cocorico. Avec plein de bananes. Mais pas que. Salut, toi. Toulouloum. Visiteur authentifié. Bienvenue chez un golem raffineur, blablabla. Vends-nous ton somnium. Raffiné. Au revoir. Au revoir. Je te prends tout. Marché conclu. Il me semble que j'en ai quand même pas mal là maintenant des... J'en ai que 43, c'est pas énorme. Je pensais que j'en avais plus que ça. Non, pardon. Il en faut 15 pour tout avoir, je crois. Ouais. Je t'en prends 3. Merci. Il y a un Yika là, forcément, non? Ah, il est là. Alors on va s'équiper en conséquence. On va juste forger notre épée. La corne briseuse de linelle d'argent. Ça me paraît pas mal. Tape 4,51. Bon, en vrai c'est pas mal quand même. Je ne comprends rien. Forcément, t'es un Yiga. Par définition d'un Yiga, il n'est pas très futé. Ce trash talk. Où est ma tenue de barbare? Barbare. Pas là. Bah. Je suis aveugle ou... Elle est là. On va se la jouer sauvage. Salut. Comment est-ce que je peux activer ce golem? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai examiné ce golem sous toutes les formes, sur tous les angles, mais je n'arrive pas à l'activer. Mais ton arrivée est peut-être providentielle, qui sait? Est-ce que toi, tu sais comment on active les golems? Vraiment? Enfin, ce n'est guère surprenant de la part du héros. Je me doutais bien que tu en étais capable. Je vais commencer par te cogner et ensuite je prendrai le temps de te faire parler. Vengeons le grand Koga. Oh tiens, comme on est surpris. Ah, ils sont 3. Là, il y a une surprise. Paf. Il a tellement rien à faire, Link. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer comme truc d'assemblage? Parce que ça nous permet d'aller là-bas. Enfin, là-haut plutôt. Avec le coffre, juste derrière. Je te souhaite la bienvenue. Cet endroit faisait jadis office de raffinerie. On y trouvait de grandes quantités de sodium. Je gère les gravures d'assemblage utilisées dans le cadre d'activités minières. Ah, tiens. D'après mes analyses, j'en ai une que tu ne possèdes pas. Je vais donc te la donner. Un éjecteur. Ok. Je vais également préparer les pièces nécessaires au test du pouvoir duplicata. Un éjecteur. Ça nous propulse. Ouais. Très bien. Aïe, c'est des pics ça. Hop. On va prendre ça, on va aller chercher les 2-3 esprits là-bas. 3, littéralement 3. Un peu au-dessus. Hop. Se mettre sur la planche comme ça. Faut taper le truc. Ok. Ouais, bah c'est pas très efficace, hein. Heureusement qu'on a la compétence, les échelles, c'est pour les cons. Et puis voilà. 20 cristaux d'énergie Sonau. Merci bien. Y'a pas un petit truc en plus? On demande toujours plus, moi. Pas pour ça. Ta-da-da-da. En même temps, 20 cristaux d'énergie, ça va, mais... Il y a plein d'esprits. Il doit y avoir 2-3 soniums là-haut. Voilà. Hop. Parfait. On va aller chercher 10 esprits. De grande taille. Ah! Si, je pense que dans le... là-dedans il y a un truc. Alors. Voilà, il y a un coffre. Des monticulés étranges ont été découverts un peu partout dans cette région. Ils ont la taille d'une colline et semblent pouvoir être escaladés aisément. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils peuvent représenter, s'ils sont les vestiges d'une étrange créature ou s'il s'agit de constructions des anciens habitants des lieux, mais ils ont toutes une caractéristique commune. On dirait qu'une arme flotte au sommet de chacun de ces monticules et qu'elle brille de surcroît. J'avoue ne vraiment rien y comprendre et en avoir peur, mais il faudrait que j'aille voir cela de plus près. Gloire au grand Koga. Mm-hmm. 20 cristaux d'énergie supplémentaire, bah c'est très bien. Des monticules. Et une arme qui brille. Intriguant ça. Ça c'est intriguant. J'espère juste que ça nous hype pas de trop, mais... Pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il pourrait y avoir le somnium par ici? Absolument pas. Bon. Il y a plein de... ça. Petits esprits. On commence à en avoir un bon paquet. Hop, il y a quoi en dessous? J'ai l'impression que c'est un guet-apens, mais non. C'est vraiment le bordel là. Avec tous nos amis là. Barrez-vous. Voilà, merci. Hop. On voit plus rien à l'écran, c'est très chiant. Sont pratiques de temps en temps quoi. Ok bon. Là par exemple, on n'en sort plus. Donc duplicata, le somnium. D'ailleurs je ne l'ai pas enregistré. Mais c'est très con ça. Merde. Ah bah c'est très con. Je suis obligé de me taper avec le truc. Avec le pieu. Et bah, fabriquons avec le pieu. Ça fait des collages. Je sais pas d'où vous sortez, vous. Aïe! Mais vous m'embêtez très sérieusement. Ah bah non. Ah merci le pieu. Peut-être enlevé. Bah du coup j'ai construit une moto et je peux plus. Je l'ai pas sauvegardée comme un con. On en revient. Merci. Ah non non non. J'ai trop laissé... Je l'ai trop laissé... Allez viens là. Non mais il y a du somnium encore. Voilà, on va pas laisser le loot. C'était pour le loot, ne vous inquiétez pas. Tout était prévu. Oh, décollage. Ouf. On est vraiment pas passé loin du... La catastrophe là. Pas mal. On va juste se remettre notre tenue d'économie d'énergie. Et on est bon. Alors on va passer aux monticules là, ce qu'ils ont dit. Il y a une arme qui brille dessus. Là ça monte, on arrive au, ouais, on arrive au Mont Géminé. Alors là-bas ça fume. Il va y avoir du somnium. Là il y a un Golemax là-bas. On l'a déjà prise cette racine là, on est d'accord. Oui. Et au final je ne suis pas du tout parti par là-haut. On va aller là plutôt. Il y a un Golemax. Il y a un gros trou, il y a un Golemax... Ouais je sais pas. Est-ce qu'on part par là plutôt ou au contraire on se dit... Je suis pas du tout dans la bonne direction. Et tant pis. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Allez, faisons ça. On va aller défoncer le Golemax. Hop. Je peux pas. Alors, paf. Déjà, commençons par... Commencement. Hop. Je n'ai plus mon truc de golem. Et je réalise que je n'ai pas pris mon... l'armure d'attaque. Parce que la main avec Link, c'est qu'il se change en plein... Il est déjà mort. J'ai pas sa barre de vie. Ah merde, c'était mon maillet. Fuck, je croyais que c'était mon épée de légende. Il est trop haut là, il est trop haut. Il est où? Ah. Ta 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 ta. Allez-y. Ah, ça c'est bien. Plein d'orbes d'énergie. On va même pouvoir accrocher ça à ça. Hop. Et quand même, merci. Je me dis, il y a un truc qui va pas là. Ça ne marche plus. À l'envers ça. Hop. Il doit y avoir une racine pas très loin quand même. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire ça? Est-ce qu'il y a un sanctuaire d'ailleurs au-dessus? Ah, il doit y en avoir un. Par là. Je ne l'ai pas pris. Je ne peux pas savoir. On va monter. Tout moment, je me bouffe un mur. Hein. Je me bouffe un plafond. Ah voilà, on le voit le plafond. D'ailleurs. Hop, j'ai toujours pas repris. Faut que j'alterne. Je prenne le temps d'alterner. Ah! Il y a un truc qui gale. Hein. C'est bien. On y voit quelque chose au moins. Un avant-poste. On devrait pouvoir faire quelque chose là. Pas loin d'une racine là, je suppose. Ah ah. Moi aussi je vole. Oh non. Pas vu. Je ne suis qu'un gentil. Ah! Mais... Je suis un gentil, j'ai dit. J'étais un gentil. C'est quoi cette merde? Alors lui, il me reconnaît, hein. Ah non, oh, tu dégages en fait. Non mais... Pas moi l'ennemi. Alors par là. Quelque chose qui ressemble à des racines d'arbres a l'air de pousser un peu partout. Ces racines ont l'air assez solides et on peut grimper dessus pour éviter les miasmes quand on se déplace. Toutefois, elles ne sont pas toujours inoffensives. Les racines qui brillent d'une étrange lueur rouge et noire sont couvertes de miasmes. Et comme on ne peut ni les couper ni les brûler, le plus sûr reste de les éviter. Gloire au grand Koga. Ben forcément, maintenant nous avons appris que ces racines-là permettent à Ganondorf de se régénérer. Un premier coffre. Plan d'assemblage giga. Piège et dispersion. Ok. Et 20 cristaux d'énergie Sonau. Parfait. Raté. Encore raté. On ne sait pas perdre un cœur. Moi aussi je suis un copain. T'as vu? Je maîtrise la technique du volage de trucs. À décollage. Décollage donc. Décollage, j'ai dit. C'est pas possible. Je veux pas remonter là-haut. Là. Je veux pas remonter tout là-haut. Ça, je peux faire. Ça, c'est trop. Oh, c'est pas trop. Ah. Ça, je peux faire. Et ça, je peux faire. Parfait. Hop. Salut. Bon, et les racines. Il y a un truc là. Il y a un quelque chose. Ça reste juste un endroit où... J'ai la moto qui se casse la gueule à côté. Hop. Un endroit où on y crée des véhicules. Oula non, ça a pas l'air d'être ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas un amphithéâtre? Ah si, c'est un amphithéâtre. Absolument. C'est absolument un amphithéâtre. Ok. Il s'appelle comment du coup? Amphithéâtre reculé. Nous avons un coffre. Alors il y a quoi du coup ici? Ben j'arrive pas à savoir. C'est des Lézalphos, hein. Ce sont des Lézalphos, très bien. Et ben on est tombé sur un petit amphithéâtre. Parfait. Ouais, ce sont des Lézalphos, très bien. Nous ferons ça dans le prochain épisode, qui sortira très probablement la semaine prochaine. Je n'ai pas eu l'opportunité de tourner beaucoup d'épisodes cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, il devrait y en avoir un peu plus. Je veux pas trop vous hype non plus, mais ça devrait être le cas. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ciao, ciao tout le monde.